jusqu'aux habitants. Je te laisse aller voir ce temple, Eivor. Il est à l'est d'ici. Pour l'instant, je dois jouer mon rôle de magistrat. Allez-vous-en, reculez! Les combats sont terminés. La garde sera bientôt là. Si les magistrats changent d'avis, je devrais les tuer et placer un pantin sur le trône de Lunden. Mais Sto paraît intègre. Pour l'instant, je lui fais confiance. Un tas de ruines, ce temple de Mithra est bien gardé. Reste à en trouver l'entrée. Le compas tient les autres sous son emprise. Il a ordonné à la flèche de recruter des archers sur un marché de l'Ouest. Cela mérite une visite. Des outils de médecin, de belles factures, comme ceux trouvés à la villa. Et il y a aussi une lettre, parlant du paiement d'un forgeron.
des messages entre le compas et la sangsue. Soigné, étripé. La sangsue est quelqu'un d'étrange, mais le compas ordonne les meurtres. J'ai assez d'éléments pour l'instant. Je dois montrer tout cela à Erke et Asto. Il y aura d'autres bains de sang à Lunden. Sinny n'aura de quoi festoyer. L'endroit est très bien gardé. Yeah.
Tout ce que je dis, c'est que ça vaut la peine de frapper à quelques portes. Trigg n'a pas été tué parce que tu veux planter quelques arbres et réparer les toits de Lunden. Ce n'est plus un festin pour les corbeaux ici. Eivor, tu as trouvé quelque chose d'utile ? Quelques feuilles de vélin, des messages entre membres d'une société secrète. Elle s'appelle l'Ordre des Anciens. L'Ordre des Anciens ? Cela ne m'évoque rien du tout. Quel est son but exactement ? Ce serait un peu long à expliquer, mais sachez que je suis là pour l'éliminer. À Lunden, il semblerait que le compas soit à sa tête. La flèche et la sangsue en seraient les bras. Des surnoms et des ordres secrets ! Foutaise ! Y a-t-il autre chose comme piste ? La sangsue a besoin de chair. Elle cherche des esclaves. Mais je ne sais pas pourquoi. On a trouvé des cadavres près des quais ces derniers temps. Mais pas que des esclaves. Certains disparus, retrouvés à plusieurs endroits, mis en pièces. Mon Dieu, Erk! La flèche est un Danois qui a vu sa part de combat. Son surnom laisse entendre qu'il est archer. Je suis prêt à parier que c'est lui qui sème la discorde parmi les Danois qui vivent à Lunden. À sa place, je me cacherai parmi les miens, entouré d'autres guerriers. Le compas a donné l'ordre à la flèche de recruter des soldats sur un marché, à l'ouest. Je connais bien cet endroit. Le compas est un mystère. Il est souvent mentionné, mais sans plus de précision. Tu as dit que c'était un capitaine franc ? Pour le trouver, il faudrait s'intéresser aux navires qui ont navigué sur la Thémès. Par nature, un capitaine, ça voyage. Il est peut-être loin, et se fait discret. C'est possible, mais lui trancher les mains pourrait le faire glapir. Toi, tu sais comment faire réagir les gens. Nous allons tuer la flèche et la sangsue, et nous attendrons. Laissons ensuite venir le compas jusqu'à nous. Mieux vaudrait agir rapidement. Trouvons la flèche et la sangsue. Leur mort ramènera le capitaine au port. Stowe, je te rejoins au marché de l'Ouest. Compte sur moi. Et moi, je vais aller sur les quais. Il y a quelques cadavres à sortir de la vase. Peut-être la sangsue s'est-elle remise au travail. Que Dieu nous garde, mes amis. Allez en son nom et sous sa protection.
dois redoubler de prudence par ici. Est-ce là l'œuvre de la sangsue ? Oui, de nouveaux corps chaque jour. Combien de cadavres cela fait-il ? On en a trouvé une vingtaine. Clairement victimes de la sangsue. Comment en es-tu certain ? Ils avaient les yeux arrachés, les orbites vides, comme les gardes de Trigre. Il y a pourtant des centaines d'hommes qui passent ici chaque jour. Personne n'a rien vu ? Nous sommes sur la berge, le lieu des pires activités de la ville. Tu as des nouvelles de Stowe ? Pour la flèche ? Pour l'instant, je m'occupe de la sangsue. Quelque chose t'inquiète ? Ah, non. Je me demande juste comment va ce cœur de moineau. Vous êtes très proches, comme des frères. Oui, oui, comme des frères, tu n'as pas tort. Erke ! Dis-moi que ce n'est pas elle ! Ce n'est pas ta fille, ma bonne Guida. Calme-toi. Oh, merci, Freya. J'avais tellement peur de la retrouver ici. Elle fait des courses, parfois la nuit, pour un forgeron qui l'envoie sur les quais. Cela me terrifie. Thank you.
Quand est-ce qu'elle a disparu? Il y a quelques jours. Elle est sortie de nuit. Elle n'est jamais rentrée, ma Regna. Oh, je donnerais tout pour la revoir. Cela fait 2 jours que je ne l'ai pas vue. Et je crains le pire. À Lunden, le pire est toujours à craindre. Que faisait-elle comme travail? Des courses, ce genre de choses. Elle livrait des objets, en touchait le prix et retournait chez son forgeron. Tu connais le nom de cet homme? Non, mais j'aimerais bien. Je lui arracherai les oreilles et les noix. Te souviens-tu d'autre chose? Une voisine m'a dit un jour qu'elle avait vu Regna traîner un moment sous le pont de Lunden. Cela m'a retourné les sangs. C'est un bon début. Merci beaucoup, Guida. Un forgeron, une enfant disparue. C'est une piste assez solide. Le pont de Lunden de nuit. Cela mérite un coup d'œil. Bien. Moi, je vais rester ici, pour assurer le calme. Et Eivor, sur ces quais, reste bien sur tes gardes. Je ne baisse la garde pour personne. Guide-moi, Sinin.
mieux vaut attendre la nuit. Je vais le suivre et voir où cela me mène. Ce crétin ne peut pas aller plus vite. Prudence. C'est là où... Non, il prend son temps. Les gardes sont vigilants par ici. Qu'est-ce que tu vois ? Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Thank you.
Thank you.
protéger l'équipe. Appel à la climat. Tu as la bourse que j'attends. Hein? Mais tu es qui, toi? Je suis une amie, Oya. C'est ton garçon qui a ton argent. Qu'est-ce que tu as fait de lui? Je l'ai mis en lieu sûr. Il avait l'impression d'être suivi. Ah, je savais qu'il ne valait rien. Pas comme cette fille. Elle avait les nerfs solides, elle. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Tombée malade, il y a quelques jours. Alors je l'ai envoyée à Sœur Frideswyd, une guérisseuse. Sœur Frideswyd. Que ce soit un os brisé, un nez qui coule, une verrue aux fesses, ou trop de sang de lunaison, elle peut tout arranger. Elle doit avoir besoin de nombreux instruments pour ça. Ah, ça oui. Et elle les a, les instruments. Elle vient me voir avec sa liste et je lui fabrique tout ce dont elle a besoin. Tu lui fabriquais, tu veux dire? Hey! Ton heure est venue!
Aide-moi. Deviens mes yeux. Je ne dois pas être vue. Vite, ma capuche. Un peu de pitié. Ma tante est venue pour sa toux, elle n'est jamais rentrée. Cela fait des jours. Il faut que je la voie. Va-t'en, elle ne remet jamais les pieds ici. C'est là que la sensume utile s'éproie. Allons. Je vais venir. La sœur va se remettre sur toi. Il m'a fait une chose à vivre. Mais non, tu ne vas pas mourir. Frappez comme ça. Nous allons te tuer. Ça va presque à Dieu. Et si on nous prend des gens ?
qui vous... Je vais vous montrer la double face de Bragi. Attention à ces feintes. Cette vipère a de la ressource. Encore un autre, et c'est tout. J'ai presque terminé. Cela suffit. Oh, c'est toi. Pour tous les morts que nous collectons, ma chère sœur, nous sommes égaux. C'est un vrai charnier. Je ne les compte même plus. J'imagine que je me suis laissée emporter par mes recherches, mais sans penser à mal. Les anciens, les arbitres... Ils nous ont conçus à partir de morceaux. Si faciles à briser, et difficiles à réparer. On doit pouvoir améliorer tout ça. Nous devrions être plus forts, plus rapides, plus futés. J'aurais pu arranger cela,
nous rendre meilleurs. Nous sommes faits de sang, d'os et d'esprit, Frideswyd. Et parfaits comme cela. Tu as de si beaux yeux. Termine. Veux-tu ? Voilà, c'est fait. Ah, tu as saigné la sangsue. Et tu as découvert son nom ? Une nonne, appelée Frideswyd. Quoi ? Cette gentille sœur ? Ce n'est pas possible, c'est une sainte. C'est une guérisseuse et... Par les dieux ! Cette semaine a vraiment un goût de purin. Tu la connaissais ? Elle m'a sauvé. Je m'étais cassé une jambe, et j'ai bien cru la perdre. Mais grâce à Frideswyd... Aujourd'hui, ma blessure a totalement disparu. Il y aura de grands changements. Sans elle, nous en reviendrons au traitement des humeurs. Tout ça pour ça. Les secrets du corps humain. Sa manière de sauver des vies. Et comment y mettre fin? Tout cela n'est peut-être que les délires d'une folle. Le monde est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est vrai. C'est bien vrai. Toute ma vie, j'ai privilégié la force. Sans un regret. Elle a choisi une autre voie. Elle a fait de nombreuses découvertes. Mais à quel prix ? J'ai bien envie de brûler ce maudit recueil. Qu'est-ce que tu en penses ? Il contient des remèdes pour tout, des abcès aux fractures. Mieux vaut le conserver.
Après tout, nous faisons la guerre pour ceux que nous aimons, et nous obtenons la victoire par le sang. Ce livre est le champ de bataille de cette sœur, son royaume. Tu as peut-être raison. On ne peut pas ramener les morts à la vie, mais leurs souffrances ont de la valeur. Si tu as besoin de moi, je serai à Saint-Paul à chercher des informations sur le compas. Et merci pour tout, mon gars. Si on me voit, cela se passera mal. Eivor, bienvenue sur le marché de l'Ouest. La présence d'un homme en armes peut rendre nerveux dans un tel endroit. Pourquoi ne mets-tu pas une cape? Me cacher le visage? Sûrement pas. Ça fait du bien aux gens de voir la loi au travail. Alors, vous avez trouvé l'identité de la sangsue? Une guérisseuse sacrée du nom de Frideswid, avec un penchant pour les yeux. Si cet ordre peut corrompre les plus saints de Lunden, quelle chance avons-nous? As-tu des nouvelles de la flèche et des recrues? Des murmures seulement. Quelqu'un distribue une pièce. Elle permet de prendre part à un concours organisé par les hommes de la Flèche. Qui? Il y a beaucoup de monde ici. Il sait se cacher. Je ne l'ai pas encore remarqué aujourd'hui. Je vais aller jeter un œil. Toi, reste ici. Eivor, qu'est-ce que tu penses, Derke? Tu le soupçonnes de quelque chose? Je ne sais pas. Celui qui a tué Trigre le connaissait bien. Et c'est Erke qui a trouvé son corps. J'ai confiance en Erke. Et j'ai du mal à croire qu'il ait pu faire une chose pareille. Mais... Alors n'y crois pas. Attends des preuves avant de condamner ton ami. Pardonne-moi. J'ai l'esprit embrouillé ces temps-ci. Je suis... depuis si longtemps au service de la justice de Dieu. Je lui ai sacrifié mes attachements terrestres. Mais pas Erke et l'amitié que tu lui portes. Non. Je ne sais pas si je pourrais. Il n'est jamais bon de trop s'attacher à quelqu'un. Sois toi-même. Trace ton propre chemin. Je devrais. Je le sais.
Il faut que je trouve une de ces pièces. Tu restes près d'ici? Je vais retourner à Saint-Paul, un peu plus loin. Bonne chance, Eivor. Ton destin est là! Et sur qui aura sa peau? Du Colisée de Lunden est gravé sur cette pièce. Tu es là pourquoi? Tirer ou regarder? Vous cherchez de bons tireurs à l'arc. Tu viens d'en trouver une. C'est un concours privé, sur invitation. Tes hommes distribuent ces pièces comme si elles leur brûlaient les mains. Est-ce que cela suffira? C'est assez pour qu'on parle. Mais avant d'aller plus loin, je veux voir ce que tu sais faire avec cet arc. Tu veux t'échauffer un peu avant? J'ai assez d'entraînement comme ça. Commençons. Bon, si tu te sens prête, allons-y. C'est un
concours très simple. Il faut toucher toutes les cibles tant que le sable. Voilà une nouvelle concurrente. Une femme du Nord venue de la Mercy sauvage. Et notre champion actuel, Maël. Très bien, à vos marques. Touchez en place. Flèche en crochet, tirez. Si ça ne te plaît pas, tu peux toujours abandonner. La barbe d'Oda. Ah non ! Incroyable ! Laissez vos arcs ! Saer semble parti pour gagner. Ce n'est pas brillant. Dommage pour toi. Attends, je peux faire mieux. C'est ce que je dis souvent, et ça me coûte toujours une petite fortune. Pour trouver le meilleur archer, mieux vaut mettre toutes les chances de son côté. Eh bien, vous n'avez pas exactement concouru dans les mêmes conditions. Quoi ? Je n'ai jamais entendu de pire mentrie. Faisons voler ces flèches. Cible en place, arc prêt. Très bien, à vos marques. Crochet en place, flèche en crochet, tirez. Il ne reste que la moitié du sable. Laissez vos arcs. Saer semble parti pour gagner. Le vent de Loki a fait dévier mes flèches. Tu ne sais pas tirer. Et puis c'est tout. Après deux tentatives, Saer reste le vainqueur. La flèche attend son nouveau champion à l'Arche Impériale. Ne traîne pas. Mes amis, mes frères, bonnes gens de Lunden, notre semaine a été dure. De lâches envahisseurs sont entrés dans la demeure du gouverneur et ils lui ont pris la vie. Mon chef, il a été tué comme un chien par des étrangers. Mon ami, mon chef, il a été tué comme un chien par des
des étrangers. Par l'ennemi. Peut-on compter sur ces magistrats? Ces demeurés n'ont pas empêché sa mort. Ils nous croient en sûreté. Mais le gouverneur savait, lui. Il m'a fait part de ses idées en vue de protéger Lunden. Ces ivrognes de Danois de Northumbrie. Cocher ! Ce n'est pas chose facile de faire de ces rats des villes de nobles guerriers. En place ! Tu n'as rien fait de tel. Tu les as simplement pris au piège de leur peur. Tirez sur la corde ! Les premiers ! Décochez ! Non, je leur ai appris l'ordre. Je leur ai donné un but. Pour leur montrer qui est leur ennemi commun. Second, décochez! J'étais la flèche de leur rage. Sans aucun ennemi à abattre, c'est nous-mêmes que nous dévorons. Il dit vrai, un homme sans ennemi se consume. Cherche à loisir toutes les excuses. Tu es un régicide et un lâche. Puissant cheval! Tu en aurais fait autant à ma place. Visez ! Et tirez ! Tu n'as rien. Que Dieu soit loué. Ce ne sont pas des enfants avec des arcs de cérémonie qui auront raison de moi. La flèche était si jeune. Un homme qui pensait comme un enfant, du nom d'Avgos. Avgos ? Ce n'est pas possible.
Je peux te rapporter sa tête sur une pique si tu veux vérifier. Non. Pourquoi mentirais-tu? Mais mon vieil ami Avgos n'avait aucune raison de tuer. Il voyait Lunden comme un chaudron de rage. Parfait pour endurcir ses jeunes recrues. Peut-être ai-je ignoré en lui ce que je ne voulais voir. Ambition, cupidité, colère. Une telle haine est facile à voir chez un seul homme, mais perdue dans une foule, elle est un brouillard diffus. Le pouvoir. Les hommes le convoitent et s'y accrochent à n'importe quel prix. Il est vrai. Et quel amer festin, lorsque la gloire a le goût du sang des parents et amis. Deux cibles abattues. Il ne reste que le compas. Si on avait tué mes hommes, je serais déjà en chemin pour Lunden. Le compas va venir. Et nous devons nous tenir prêts. Et attendre le pire. Je déteste l'idée d'être surprise. Ne peut-on pas porter le combat chez lui? Il doit y avoir un moyen. Retrouvons-nous à l'église quand tu auras pris un peu de repos, mon gars. Ote conspecto hominum quale dilexit. Ego sum veride. La bonne sœur a été tuée. Où se trouvaient les gardes? Tu m'entends, Hercule? Tu as son sang sur les mains. C'est une ruse, je vous dis. Ils ont fait trigre et faut accuser quelqu'un d'autre. Est estom et monium merde.